J'allais comme ça chez toi. Pour faire quoi? Je dis je vais chez toi, tu me demandes pour faire quoi? On a une fille ensemble, non? Tu es la mère de mon enfant, non? Donc, ok, c'est pas grave. Tu vois, c'est la fête des enfants. C'est Noël. Donc, bon, j'ai pensé offrir un cadeau à ma fille. Donc, Tim, mais depuis 6 ans, là, c'est maintenant que tu penses offrir un cadeau à ta fille? Depuis 6 ans, c'est maintenant que je pense offrir un cadeau à ma fille. Bon, tu as peut-être raison. Bon, c'est pas grave. C'est quand même ma fille. Je pense que le devoir d'un père, c'est de penser à son enfant. Voilà. Ok, je peux voir le cadeau. Bon, de toute façon, comme l'occasion fait le larron, c'est le cadeau. Donc, tu arrives à la maison, tu le remets. Depuis 6 ans, c'est maintenant que tu penses. Non, oublie ça, en fait, c'est ma fille après tout. C'est rien. Non, je peux l'ouvrir. Tu veux l'ouvrir? Ben, tu peux, ça ne dérange pas. C'est après tout, même quand tu rentres avec, c'est toi qui l'ouvriras pour elle. Sinon, ça va, non? J'ai remarqué, tu viens de rentrer comme ça. Hein? Oui, je t'ai sorti hier même. Tu es sorti? Tu as chauffé? Le thé est dans votre main? Bah ouais. C'est bon, ça va quand même. Oui, ça va. Ok, je suis content de te voir au moins en pleine forme. Sinon, elle va bien, non? Elle va bien, mais le cadeau. Non, non, c'est encore une petite fille, ma fille, donc je ne peux quand même pas lui offrir. Yo, c'est quoi ça? C'est le cadeau que j'offre à ma fille. C'est quoi ça? Yo! Attends. Timini, je rêve ou quoi? Comment rêver? C'est des préservatifs, mais c'est au chaud que tu as mis dans le cadeau. Non, mais c'est le cadeau que j'offre à ma fille. Pour une fille de 6 ans. Attends, je ne comprends pas. Je sais bien que ma fille a 6 ans. Hein, mais tu vois, pour te dire vrai, j'ai pris, durant ces 6 ans, j'ai pris le temps de t'observer. Et la vie que tu mènes, et cette éducation que tu donnes à ma fille, ne me va pas trop, ne me dis pas. Donc, j'ai plusieurs fois réclamé la garde de ma fille, tu n'as jamais voulu. Donc, je me suis dit, étant loin de toi, je peux quand même contribuer à son éducation. Donc, je me suis dit, c'est la seule chose. Parce que, tu vois, d'abord, maintenant, regarde, tu dis que tu viens de... Tu n'as pas passé la nuit à la maison. Et après? Et tu rentres comme ça. Donc, ma fille, au moins, enseigne-lui que c'est important, les préservatifs. Tu vois, d'abord, je te vois, tu es censé être à la maison fêter avec ta fille, qui est ma fille. Oui. Tu dis que tu viens de... Tu es allé au dehors et c'est maintenant tu rentres. Regarde, depuis le matin, tu rentres à 16h. Donc, tu es allé passer la nuit au dehors. Donc, avoir tout ça, je préfère au moins quand même assurer, prévenir ces gens de maladie. Donc, Zouzoumi a des nénés. Je t'insulte comment? Zouzoumi a des nénés. Je t'insulte comment? Tu as 6 ans, tu as un cadeau. Mais c'est mon cadeau. Moi, je ne t'ai pas... Non, attends, je ne t'ai pas encore insulté. Mais le cadeau que je remets à ma fille, déjà, dit ce que tu es. Nous, elle n'a pas invité. Ok, il va voir. Il y a oublié le temps, si nous, il y a oublié. Le temps, si tu n'es pas invité. Comme si... À coup sur le grand jour, Gabi, Merci, Roméo. Cadeau, hein. Cadeau, de nez. À comprendre. Eh, oh. Je vois, après 6 ans, tu n'as invité à la main. C'est comme si tu avais ton cousin, tu n'as pas de nous parents. Oh, mais quand même, on va aller au quartier, on va aller au quartier.